bien, donc une fois que vous avez mis en place et allumé le bec benzène, hein, donc vous allez pouvoir ensemencer votre gélose avec la suspension des micro-organismes. Hein, et je rappelle, si on va demander à Tom, pourquoi le milieu qu'on utilise, là, c'est un milieu sélectif. Ouais, c'est quoi l'intérêt en fait aujourd'hui de... Pour isoler le champignon des autres micro-organismes. Très bien, c'est ça. Donc c'est pour être sûr de ne cultiver qu'une espèce de micro-organisme et le champignon qui nous intéresse. Très bien. Donc je vous laisse finir votre ensemencement chacun. En faisant bien l'attention au bec benzène. Et puis quand vous avez terminé, vous pouvez marquer votre nom hein, sur la boîte. Et on les mettra à l'étuve hein, pendant quelques heures pour faire pousser le champignon. Et une fois que vous êtes terminé, vous éteignez votre bec benzène.